Allez, salut tout le monde. Ben, j'ai le copain qui a rentré une belle petite pétoire. Bon, on va faire le tour. Bon, après, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur, non. N'ayez pas peur. Hein. Mais voilà, une belle petite 103 Racing du 10 février 87. Donc voilà, c'est un modèle assez rare. Alors bon, il manque les caches plastiques là, il les a enlevés. Et c'est vrai qu'il les a pas pris, le moteur est bloqué, donc bon, voilà. Mais après, ouais, il y a pas mal de défauts, ça a été bidouillé un petit peu beaucoup. Ouais, bon, à l'époque, voilà, ouais, ces amortisseurs, c'est pas ceux d'origine. On le voit clairement, la mobilette est beaucoup trop haute, le garde-boue touche quasiment la roue. Donc à mon avis c'est pas les siens d'origine je pense. Bon le pot il y a un petit fear moving, mais je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Je sais pas ce que ça vaut, je sais pas ce que c'est. Ouais, voilà le moteur est bloqué, il faut qu'on regarde pourquoi. C'est bizarre parce que le cylindre culasse a l'air propre. Hein. Là il manque la bavette. Donc la petite bavette, là il a foutu un bordel de un truc de jaguar. Jaguar. Un bordel de jaguar là, d'ailleurs que ouais. Ouais, c'était à fait à la one again. C'est dommage parce que elle est sympathique, c'est un joli modèle. C'est un joli petit modèle. Le Vario, je sais pas ce que c'est le Vario là. C'est un Vario d'origine, mais il est plein. C'est bizarre. À mon avis, c'est un truc qui a été bidouillé. À mon avis, c'est un truc qui a été bidouillé maison, ça. J'ai même une sauterelle qui vient voir ta culasse, quoi. Ouais, la couronne derrière, elle est flinguée. Enfin, elle est morte. Elle est toute pointue. Et ça t'est repeint comme une voiture Ouais, aujourd'hui. les fixations, c'est pas ouf de la selle. Ouais, puis il y a un patch, je crois, la selle. Ouais, il y a un petit patch là, la selle. Bah, c'est pas méchant, quoi. Ah, sinon, c'est une belle selle, hein. C'est une petite selle racine comme ça, là. C'est introuvable, ça. C'est vraiment introuvable, hein. C'est vraiment un joli petit modèle. Bon, bien sûr, il faut toute la refaire, faut toute la reprendre à zéro, hein. Mais ouais, c'est même la pâte du pot, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce chantier. Assez crado. Regardez-moi ce chantier avec un cylindre bloc de De bagnole ou je bagnole. sais pas quoi. Ouais, enfin bon. C'est. Voilà. C'est dommage, après il manque les autocollants et tout. Les autocollants ont été enlevés d'origine. Là, la selle, il faut la recoller dessous, un petit peu décoller. Ouais, bon, après voilà. Hein. Il y a pas mal de choses à revoir, mais bon, voilà. Il l'a récupéré, ouais, complète avec les carters. Oui, Ouais, il y avait les complète avec les carters, ouais. carters. Mais bon, voilà. C'est un joli petit modèle qu'il faut refaire, qu'il faut retaper, parce que ben, c'est dommage, quoi. Dommage de le laisser comme ça dans son jus, quoi. Même le plastique, là, on voit que. Je pense qu'il a été fissuré, il a été recollé. Je pense. Je pense Ah, qu'il a été oui. recollé avec de la super glue. Oui, Les je l'ai gars, vu. c'est pas avec de la super glue. Vous prenez du Lego, de l'acétone. Et vous recollez ça. Tout simplement, vous faites fondre le Lego dans l'acétone. Et puis vous le recollez. Ça fait bien plus propre et bien plus costaud. La super glue, c'est bien pour coller le chewing-gum. Ça sert à rien, c'est de la merde. Et ouais, donc ouais, c'est un joli petit modèle, ouais. C'est sympa, moi j'aime bien. Mais c'est dommage, ouais, qu'il soit dans cet état-là. Bon, voilà, après, hein. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur cette petite vidéo. Ce joli petit modèle. N'oubliez pas de vous faire plaisir, hein, likez, abonnez-vous, enfin, faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir, et puis. Et puis à la prochaine. Allez, ciao ciao. Et vive la mob.